Yo la famille, c'est Lankenov 2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo que vous avez assez attendue, que vous m'avez demandé tout simplement. Parce que la famille, en fait sur la dernière vidéo je vous avais demandé 1000 likes pour faire mon premier tacos avec la machine. Et là vous les avez atteints, donc là la famille je tiens bien évidemment ma promesse. On va faire mon premier tacos avec cette magnifique machine. Donc là la famille, en fait j'ai tout simplement préparé déjà les ingrédients donc pour faire mon premier tacos avec la machine. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là j'ai pris la tortilla, enfin c'est une tortilla kebab mais on peut faire bien évidemment des tacos avec. Enfin voilà la tortilla, la pâte pour le tacos. J'ai pris des frites surgelées, donc voilà, parce que dans un tacos on met des frites en général. Bien évidemment dans tous les tacos je crois il y a des frites de toute façon. Voilà les sauces que j'ai pris, ça c'est au choix, hein. Les sauces vous prenez comme vous voulez. Mais moi comme sauce j'ai pris mayonnaise harissa parce que j'aime bien ces sauces là. Et d'ailleurs c'est la première fois que je fais un tacos donc je sais pas s'il va être bon. Comme fromage je sais pas faire la sauce fromagère, donc j'ai pris du fromage vache qui rit. Donc voilà, truc de burger, normalement ça va fondre avec la machine vu qu'elle sera chaude. Et là je vais faire un tacos tout simplement, une viande pour mon premier tacos. Donc j'ai pris de la viande escalope de poulet. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de poivre etc. pour donner un peu plus de goût. Donc voilà, ça va être un tacos escalope de poulet pour mon premier tacos. Donc là tout simplement ce que je vais faire la famille, c'est que je vais tout simplement faire cuire les frites, la viande etc. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour faire le tacos. A tout de suite la famille. Donc voilà, là tout simplement j'ai cuisiné tous les ingrédients pour faire un tacos. Donc regardez, donc là le poulet il a été cuit, les frites elles ont été cuites. Là j'ai rajouté un petit peu de salade pour donner un peu plus de goût dans le tacos, les sauces etc. Et là regardez, il y a la tortilla, donc on va commencer, donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par mettre la sauce. Donc voilà, moi j'ai mis mayonnaise, donc c'est la première fois que je fais un tacos. Voilà, attendez je vais mettre. Donc voilà regardez, donc là je viens de mettre de la mayonnaise, donc regardez. Après voilà je mets sur la surface, donc ça va être la surface du kebab, enfin du tacos plutôt, voilà je mets sur la surface. Voilà. Ensuite je vais commencer par mettre la viande, donc voilà, hop, je prends la viande, je la mets comme ça. Donc c'est mon premier tacos, hein, donc franchement c'est la première fois que j'en fais, donc prenez pas trop exemple sur moi. Je suis pas non plus un expert des tacos, mais voilà on va essayer. Donc voilà je mets l'escalope, hop, hop, je la mets sur la surface, voilà. J'ai mis toute l'escalope. Ensuite, là, regardez, il y a des frites ici. On va mettre des frites. Voilà. On met des frites au-dessus. Comme ça, comme ceci. Regardez. Voilà. On aligne bien. Ensuite, là, je vais mettre le fromage. Donc, j'espère que le fromage, il va bien fondre quand je vais le mettre dans la machine. Parce que moi, je ne sais pas faire du tout la sauce fromagère, la famille. Donc là, j'ai pris du fromage de bordure. Donc, regardez, je vais le prendre comme ça. Et je vais le couper en petit bout, comme ça. Et normalement, il devrait fondre dans la machine à tacos. Voilà. Et ça, je pense pas, je vais en mettre parce qu'il va être trop chargé après. Donc là, on va commencer la fermeture. Donc c'est très simple. Je fais comme ça. Comme ça. Donc regardez, là, il commence à être fermé. Et ensuite, hop, je fais ça. Hop. Hop, on le ferme comme ça. Et ensuite, regardez ce que ça donne. Je vais le retourner. Regardez, voilà. Ça donne un petit tacos comme ça. Et là, je vais le mettre directement sur la machine, la famille. Donc, regardez. Regarde, filmer la machine. Elle est juste là. Elle est assez chaude, par contre. Et on va fermer. Voilà, regardez. Là, c'est en train de cuire le tacos. On faut le laisser longtemps. Oui, oui. Je laisse longtemps. Donc là, c'est ma mère derrière la caméra. Ouais, donc voilà. Donc, regardez. Là, il faut le laisser. Hein. Il faut le laisser pour la cuisson. Voilà. Voilà, on laisse quelques minutes, donc je vous reprends dans quelques instants. Donc là ça y est, il a cuit le tacos, donc regardez franchement la machine a fait des magnifiques traces, franchement regardez, on dirait un vrai tacos de chez Otacos. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, il fallait le laisser assez longtemps, donc là il est bien cuit, regardez, là c'est bien renfermé en bas. Et maintenant la famille, bah, ce que je vais faire c'est qu'on va procéder à la dégustation, donc il est bien préparé, donc on se retrouve à tout de suite pour la dégustation la famille. C'est parti pour la dégustation, oh là là, là je vous le remonte bien comme il faut, donc là, regardez-moi ce magnifique tacos que j'ai fait. Franchement, je suis super content parce que c'est la première fois que je fais un tacos, la famille. Et franchement, je suis pas déçu, il est super bégé. Waouh, bon là, l'a dit, mais il a voulu s'enfuir. Non, franchement, il est super bégé. Et là, on va tout simplement déguster. Donc, j'ai pris un verre d'eau et un magnifique tacos. Puis, ça fait des économies, t'as vu, au lieu d'aller au tacos, tu vois, je peux en faire tout seul. Donc, regardez, j'ai bien fait les fermetures, etc. Là, on va arrêter de parler chinois et on va déguster ça, la famille. C'est parti. Par contre, c'est un peu chaud.
Non, comme ça, non, non, non. Rien que la pâte. Rien que la pâte, la famille, elle est super bonne. Par contre, là, j'ai tapé un croc, y a rien encore. J'ai pas goûté la viande, etc. Là, c'est un croc du vide. Et là, on va taper un croc où il y a la viande, des frites, etc. Donc, c'est parti, la famille. Regardez-moi ça. Oh. Regardez le fromage comment il a fondu. Wallah, c'est une dinguerie la famille. Le fromage il a bien fondu et encore là j'ai même pas attaqué vraiment où il y a beaucoup d'ingrédients parce que je les ai mis au milieu. Donc là c'est bon avec les vrais crocs là. Ouais, les poulets. Oh, c'est super bon la famille. On sent super bien les frites. Les frites, j'en ai bien rempli, j'en ai bien mis. La viande, elle est super bonne. J'ai mis du cumin pour la viande en poivre, du sel, etc. J'ai bien assaisonné le poulet pour qu'il ait un bon goût avec des magnifiques frites. Et la pâte du taco, elle est juste magnifique. J'ai pas trop grillé, regardez. J'ai pas trop voulu laisser parce que sinon ça grille trop. Mais là, un pur régal la famille. Et le fromage que j'ai mis là, le fromage de burger, et ben vous savez quoi? La tête d'homme, on dirait de la sauce fromagère. Parce qu'il a bien fondu, vu que je l'ai mis à la machine à tacos, c'était grave chaud, ça a super bien fondu. Regardez. Oh. Ah, c'est super bon. Oh, franchement, je suis grave content de la machine à tacos, la famille. Dites-vous, maintenant, je vais pouvoir manger le tacos presque quand je veux. J'ai plus besoin d'aller au grec ou au tacos. J'ai ma machine et voilà qu'elle fait des bons tacos. Et là, on va retaper des autres crocs pour voir la sens, la famille. Même pas de la sens, même pas. C'est magnifique, regardez. Regardez toute la bonne viande. Les frites. Le fromage, c'est dégouline. Et on sent la sauce mayonnaise. C'est magnifique, la famille. C'est tout simplement magnifique. Donc sur ce la famille, bah on arrive à la fin de la vidéo, franchement, je suis super content du taco ce que j'ai fait. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau ou moche, en tout cas pour ma part c'était une vraie pure dégustation. C'est la première fois que je mange un taco fait par moi comme je vous l'ai dit. Et voilà, on arrive à la fin de la dégustation, j'ai tout donné mes ressentis etc. Donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne la famille si la vidéo vous a plu. Mais nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.